dégagé ici du côté Champlain-Lacville. 4e et 7. Oh! Et le body qui est bloqué. Oh, il se redescend. Oh! C'est repris par le Vieux-Montréal. Touché! Spartiate du Vieux-Montréal. Dans la zone payante. Fin de passe. Du côté droit, la passe dans la zone début pour le toucher. Limoilou. Il réduit l'écart à un seul point. Ça dans le temps. Dans le brassard qui doit revenir un peu, il semble subir l'ouverture. Dans le brassard, revient en plein centre. Dans le brassard, toujours debout. Belle course. Dans le brassard, va s'échapper. Il est maintenant au 20. Au 10, touché. Enfin pour les Cougars. Gagnons le brassard. Il va jouer en formation Wildcat. Rochelot toujours debout et vite le premier plaqué. Rochelot s'en va sur sa gauche. Rochelot toujours debout. Au 10, dans la zone début, touché. Notre-Dame. Très dangereux pour le triolet avec l'attaque des porteurs sur le terrain. Cameron toujours debout. Cameron trouve l'ouverture et s'échappe jusque dans la zone début. Touché pour les Corsaires. Il est essayé vite pour les Cougars. On remet le ballon du côté court. On remet le ballon à Travis Jennings. Oh, il est parti. Il est parti. Ça y est. Et voilà, au 30, au 20, au 10, touché. Cougar de Lennoxville, un touché pour Travis Jennings sur la séquence. Houle passe directement en plein centre. Oh! Il y a une ouverture, on s'échappe. Au 5 dans la zone début pour le toucher. On va viser le receveur sur la ligne de côté. Complètement seul, il s'échappe. Au 10, au 5, touché Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore une fois, Rochelot peut s'échapper. Traverse le centre du terrain. Au 40, au 30, au 20, au 10, touché. Notre-Dame, une autre longue course de Rochelot. D'accord, de voir la joie du côté de Saint-Bibi. Fin de course, la croix dérobe sur sa gauche. Il va avoir une bombe en direction du numéro 9 qui est complètement seul. Il va s'échapper. Au 30, au 20, dans la zone début pour le toucher. Aussitôt, les Corsaires répliquent et c'est 7 à 6.